Hello à tous les amis, bienvenue sur le stream de Horizon Zero Dawn. Nouveau stream aujourd'hui. Je suis désolé, alors avant tout je voulais m'excuser parce que hier j'avais dit que je débuterais le stream à 15h et il est tout juste 16h35, donc j'ai beaucoup de retard et j'ai prévenu personne parce que voilà, ça a été fait un peu sur l'instinct. J'étais pas chez moi, donc j'ai pas pu assurer le stream à l'heure. Donc du coup, là, on commence maintenant, mais je streamerai quand même au moins 2 heures. Au moins jusqu'à 6h30. Et voilà, donc bon, j'espère que tout de même, il y aura quelques personnes qui viendront m'aider à continuer le jeu. Bon, pour vous rappeler, donc Aloy a fini par retrouver les tueurs qui avaient sévi dans le camp des Nora. Et donc après avoir éliminé toutes les menaces, elle a pu avoir accès aux informations pour pouvoir atteindre Meridian et pouvoir continuer son enquête sur Olin, le fameux traître avec son focus, qui a la spécificité d'avoir un lien. En fait, Aloy a été vu à travers le focus de Olin. Donc pour avoir des réponses et pour savoir comment ça se fait que son focus à lui ait cette particularité, et essayer d'avoir des réponses un peu du coup, pourquoi les gens essaient de la tuer, essayer de découvrir un peu des informations sur son passé. Donc là, on va avoir rendez-vous avec le Roi Soleil Avad, qui va donc nous aider à mettre la main sur Olin, essayer de démêler le vrai du faux, et voilà. Donc on va reprendre directement. Au dernier stream, on s'était arrêté devant la citadelle de Meridian. Et là, nous allons pénétrer à l'intérieur et voir ce qui s'y cache et comment on va pouvoir poursuivre l'aventure. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon stream, qu'on va s'amuser, qu'il y aura un peu de monde pour discuter. Attention, on perd rien, hein, parce qu'on est vraiment pourri. Vous aimeriez, vous, vous retrouver dans un monde où l'Holocauste a laissé la place prédominante aux dinosaures? Et où l'homme est tout en bas de la chaîne alimentaire. On va déjà avoir un marchand, mais les marchands ils vendent tous la même chose alors. J'ai combien de. J'ai 897 éclats. Deux réceptacles. 86, 93, ouais, bon, vas-y. Ah, c'est plein, d'accord. Là, c'est plein. Bonus de santé aussi. Bonus de santé à 150. Décoction à base d'extrait animal. Soigne ou accorde un bonus de santé temporaire. Voilà. Donc là, c'est que des éclats. Une fois placé au sol, ce piège est actionné lorsqu'il subit des dégâts. Il explose alors en endommageant tout ce qui se trouve dans son rayon d'action. Ça aussi, on va en prendre, ça peut servir. Plein. Ça, c'est pareil. Piège électrique. Une décharge étourdissant les ennemis présents dans son rayon d'action. Ouais, ah, mais ça, c'est plein, d'accord. Antidote, non, bon, après tout ça. Flèche chasseur, boîte à trésors, gratuit. Cette boîte doit être ouverte pour révéler son contenu. Contient un nombre inconnu d'objets. Je vais tous les prendre. Voilà. Le gros bourrino. Cette boîte doit être ouverte pour révéler son contenu, contient une modification d'arme ou de contenu aléatoire. Ah mais là il y en a 100 là.
100 éclats, c'est beaucoup. Je vais en prendre une quand même. Mmh. Pas plus. J'ai pas envie de me faire. Contenu, boîte à trésor. Mais tout est plein. Ah non, mais c'est cela. Chouette. Ouais, bon, ok. Objets spéciaux, ça on s'en fiche. Mais attends, elle est où là? La boîte de modifs que j'ai achetée, elle est où? Elle n'est pas là. Mais c'est bizarre, elle apparaît pas. Ah, page 2. Non. Ah voilà, ça va y est. J'allais dire, je me suis fait enfler là. Ouais. Ah voilà, boîte de modification. Salut Zeloy, comment ça va? Bienvenue sur le stream. J'espère que tu vas bien. Bobine d'armes. Sacoche de modification pleine. Ok. Donc là, je pense que je vais en jeter une, mais ça me... j'aime pas trop. On va voir que j'en ai deux là. Hein. Donc, voilà. On va récupérer celle-là. Boîte à trésor. Boîte de modification. Alors on va voir. Ok. Et on va voir à quoi ça sert. Bobine, elle est où? C'est celle-là? Non, mais je suis plus agressé. 30% de dégâts. Ouais, mais j'ai pas eu le. Je suis pas pensé à regarder. Bobine. Parce qu'en fait, c'est que des bobines, et du coup, je sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est celle-là. Déchirure, gel. Je pense que. Je pense que je vais la mettre. C'est pour les arcs. Non. Non, mais je voudrais la. Je voudrais la modifier. Ah, voilà, c'est là. Modifier arme. Voilà, je vais la mettre. 21% de dégâts. Bien sûr, si je rajoute 30%, je pense que ça va faire. Ça peut être pas mal. En plus, il y a des dégâts de feu aussi qui sont associés, qui sont combinés, donc ça fait pas mal. Ok, donc ça c'est bon. D'accord. Piège. Ok. Ah oui, donc là. Visée en équilibre, bon, ok. Réduit davantage votre visibilité en position accroupie, d'accord. Oh, ouais, celle-là, non. De toute façon, je m'en sers pas des armes lourdes, donc. Réduit davantage votre visibilité en position accroupie et. Oh, franchement, ouais, je prends celle-là, mais. C'est pas top. Attends, j'ai pas. Donc voilà, quête principale. Aloy sera en méridien à la recherche d'Olin, le pillard Ozeram, qu'elle a rencontré lors de l'éclosion. Apparemment, les tueurs la ciblaient à travers le focus d'Olin. Pour en savoir plus, Aloy doit le retrouver et le faire parler. Journal des objectifs, aller à méridien, la capitale de l'Elion Karja. Donc nous allons tout de suite rejoindre méridien. Là, voilà, un petit bonus. Donc comme je vous ai dit pour le précédent stream, j'ai pris quand même le temps d'arriver jusqu'à Méridien. Et maintenant nous allons pénétrer dans la citadelle et nous allons aller à la rencontre du
Trois soleils à Vannes. Qu'est-ce qui se passe ici? Olin est à l'intérieur, quelque part. Pour avoir des informations sur Olin. Cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. Les soldats de Jiran étaient prêts à abattre tous ceux qui les gênent. Je peux enlever les casques sur Aloy. Je suis désolé, je vois pas ce que tu veux dire. Tu peux enlever les casques sur Aloy. Donc là, on va aller voir le roi Soleil Avan. Je serai ruiné d'ici un mois. C'est toujours les marchands qui passent. Bon, c'est un peu dommage, on arrive à la citadelle, il fait nuit. Donc on n'a pas trop de. De panorama exceptionnel. C'est ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. Abattu par les Karja de l'ombre au col de la Crête Rouge. Ersa? La sœur d'Erend a été tuée? Parce que toi, tu connais Erend? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil? T'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la, allez. T'es venu à Méridian. Ah, ça dépend des tenues. Ok, Zeloy, ben merci du bon. Tu pourras ces temps-ci? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Parle. Vas-y. Alors, vous approuvez? Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. Oh. Oui. Heureusement qu'on a des relations. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire? Alors, pourquoi je suis là? Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vu. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village, on a entendu des explosions, dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés, ils ont dit que des candidats étaient morts. Ah. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient. À cause d'Olin. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Allez, Olin, le traître. Il faut que je trouve Olin. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûr qu'Olin les a aidés. Mais je... C'est... Je te demande pas de comprendre. Ne cherche pas. Je te demande de m'amener à lui. Voilà. Il est pas là. Ça, c'est l'efficacité. Je suis parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison. Oui. À Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Ouais. Bon, soit. C'est là qu'on verra le. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Le plus d'indices. Ta sœur. On dirait une insulte, ta sœur. La pauvre, Ersa. J'ai appris pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire, elle donnait des ordres. Je suis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Il n'a pas les épaules. Elle est irremplaçable. Il n'a pas la carrure. Alors, on la joue plutôt violent, plutôt compatissant, ou plutôt neutre? Allez, je vous laisse décider. Depuis le début, je mets compatissant, mais bon, je sais pas. La douleur s'atténuera, arrête de te morfondre, j'ai perdu quelqu'un aussi. Non, toujours rien. Ouais, je vais faire boum boum. Ouais, j'ai perdu quelqu'un aussi. J'ai perdu quelqu'un aussi. Pendant l'éclosion, l'homme qui m'a élevé. Il s'appelait Rost. C'est horrible. Je me demande pourquoi à chaque fois qu'il arrive une tragédie,
Les autres se sentent obligés de raconter leur propre drame, comme si ça aidait. Ouais, drôle d'idée. Bref, tu voulais me parler de quelque chose ? Oui. Je dois aller chez Olin. Il faut que j'aille chez Olin. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Alors, on est parti. Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir ? Je réfléchis pas. Ouais. Je bois. C'est ce que j'allais dire, on réfléchit pas. C'est le mieux. On réfléchit pas, comme ça on n'a pas besoin de se concentrer. Cette fille, c'est une Nora. Il laisse entrer n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Ouais, les Nora et les Karja, c'est pas la l'entente cordiale. C'est sûrement la flèche. Elle est immense. Depuis toutes ces années, c'est le roi soleil. Épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent ? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien ? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même ! Oh, ça c'est de l'autorité. Dégagez de là ! Ou je vous démonte tous à coups de pied ! Ouais, ça vient plus à la... Qu'est-ce qu'il voulait dire rébellion. Du meurtre d'Ersa ? Pas maintenant. Bon, je suis désolé, là, c'est une phase un peu creuse, hein. Y a pas trop de combat, y a pas trop de... d'action, hein. Y a... surtout de la narration, donc... Bon, comment on fait pour entrer ? Un coup de pied. Voilà. Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Je pense qu'Eren va être embauché pour sa discrétion. La part, la porte. Tous ces trucs pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du roi soleil. Alors, activation du focus. Le coin du tapis est abîmé. Et le sol à côté aussi. Je vais tout scanner direct comme ça. Avec que ça ? Examiner le tapis. Voyons ce que ça cache. Attention, suspense. Mais que cache ce tapis mystérieux ? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au sérum indestructible. C'est ce qu'on va voir. Je vois pas comment tu vas ouvrir cette trappe. Ah. Alors, à propos de ce qui s'est passé dehors. Tu es déjà venu ici, Olin et le Roi Soleil. Ok. Donc là, c'est pour avoir des informations complémentaires. On va regarder. Tu es sûr que ça va ? Je suis assez sobre. J'ai pas besoin de tes leçons, d'accord ? Je pensais pas à ça. Je voulais parler de ce qui s'est passé dehors, avec ces gens. J'ai pas envie d'en parler. Si on est là, c'est à cause de ce que tu m'as dit sur Olin. Alors, fais ce que t'as à faire. Tu es déjà venu ici ? Olin t'a déjà fait entrer ? Non. Une fois je l'ai amené jusqu'à sa porte, il tenait plus trop sur ses jambes. On avait pas mal picolé, c'est vrai, mais je tiens bien l'alcool. Enfin, en général. Ouais, ça dépend des jours. C'est-à-dire, si c'est bon de l'alcool sur une cuite, par-dessus une cuite, je sais pas vraiment s'il va s'en remettre. Tu as dit qu'Olin avait des relations à la cour royale. Est-ce qu'il a déjà rencontré le Roi Soleil ? Non. Il a été éclaireur pour la cour parfois, et vendu des artefacts antiques à des nobles, mais il n'a jamais eu d'audience avec le roi. Si tu dis vrai, et Colin est mêlé à une sombre histoire, le roi soleil Avad n'a rien à voir là-dedans. J'en mettrai ma main au feu. Bon, on peut le croire, il a l'air honnête. C'est bien pour ça qu'on est là. Ouais. Bon, allez. Assez parlé, passe à l'action. On va aller à l'étage. S'il te plaît, merci. Ça fait beaucoup de métal. Des métaux fondus sur une technique primitive écoulée en bloc, leur poids combiné est considérable. Trouver un moyen de forcer la trappe, examiner la pile de l'aimant.
Ok. Cette caisse a l'air libre, bah on va l'aider un peu. Ouais. Doucement, Aloy. Tu vas déclencher l'alerte. On va faire du bruit. Ok, force. Et... Je sais pas si c'est plus discret quand tu l'as mis le couteau dans la porte. Rien cassé, tu te rappelles? Ils vont faire un concours de discrétion, je crois que c'est les deux qui va gagner. Allez. On va descendre. Alors, il est déjà en voie, lui. Comme ça, on... Alors, qu'est-ce que cache cette trappe mystérieuse? Parlez à Ah. Un document audio, je pense, c'est ça. Ah non, vidéo. Hologramme. Rebelle-toi. Et je leur trancherai la gorge et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ah, c'est un message. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Il ? Qui ça, il ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou ils tueraient sa famille. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Bon, je pense qu'on peut remonter. Tu fais quoi? On vient d'arriver. Il y a des preuves alors ou pas? Ben, je viens de le viser, celui-là, y'a rien. Ah, mais si, quand même. Voilà. Examinez le journal d'Olin. Olin tenait un journal. Olin? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'ai... Parlez. Tiens, ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Et il se disait mon ami. Sale petite. Traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais? Je vois des choses avec le focus, il faut que j'y aille. Le focus, il montre l'invisible. Et celui de Lynn, c'est pareil? Oui. L'appareil est le même, mais d'une manière ou d'une autre, Olin et les tueurs peuvent se parler à distance, via leur focus respectif. Et ils voient aussi ce que leur focus voit, comme s'ils partageaient les mêmes yeux. C'est comme ça que les tueurs t'ont vu. Par Olin. Oui, enfin, c'est ce que j'ai compris. Faut que j'y aille. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul ? Où ? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Garchas de l'Ombre, ça je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur, mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? C'est vrai. Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge. Où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crête Rouge? Je vais voir ce que je peux faire. Le champ des victimes, nouvelle quête principale. Trouver Olin sur le site de fouille. Alors. Donc, dans la quête principale. Donc les chasses, on s'en fiche. Ok, donc principal. Ou alors, on se met sur Olin directement, ou alors, on aide Erend. Ersa, la sœur d'Erend, a été tuée par les Karjas de l'Ombre lors d'une embuscade. Il veut retrouver les soldats qui l'ont tuée et se venger. Retrouver Erend au col de la Crête Rouge. Bon, allez. On va faire les sauvages. On y va.
Elle était pas encore partie? Il y a combien là? 1200. Ouf. Ça a rougi d'un coup. D'accord. De quoi tu voulais parler? Tu es une étrangère. C'est très bien. Mais une Nora, c'est embêtant. Est-ce que tu crains les ruines des anciens comme ceux de ta tribu? Oh non, il a mouru sur une quête. Non. Mais elles peuvent être dangereuses. Alors tu as peut-être vu ce que je recherche. Dans tes voyages, as-tu vu d'étranges réceptacles agrémentés de symboles des anciens? Il s'agit de simples cylindres creux, avec des poignées en croissant sur les côtés. Si tu m'apportes 4 de ces réceptacles, je te donnerai volontiers ce que j'ai en échange. J'aimerais mieux les avoir sur moi. Alors, tu t'intéresses aux anciens? C'est bien plus que ça. J'étudie tous les artefacts anciens que j'arrive à dénicher. Mais des années de recherche m'ont rendu trop faible pour quitter mon bureau. À vrai dire, je ne supporte même plus le soleil. Je ne sais pas comment faire pour trouver une compagne. Ma famille me réclame un héritier. Ce sera sans moi. Oh non, 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 ce n'est pas ça. En fait, mon père a déjà choisi qui il voudrait que j'épouse. Mais elle ne m'intéresse pas. J'aurais aimé avoir un frère pour lui confier ce fardeau. Je préférerais rester seul avec mes chers réceptacles. À quoi pouvaient bien servir ces réceptacles? Je suis convaincu qu'ils étaient utilisés une fois combinés entre eux. Certains pensent qu'ils servaient à la cérémonie du thé. D'autres estiment qu'ils contenaient sans doute des essences et des huiles sacrées. Mais personnellement, je crois plutôt qu'ils servaient pour le rasage protocolaire de la barbe. Un pour l'eau, un pour la lotion, etc. Chaque fluide dans son réceptacle, puis appliqué solennellement à chaque étape du rite. Ça devait être... fascinant. Encore un original. Lequel servait à quel produit? Il faut que je sache, je dois poursuivre mes recherches. Tu ne crois pas qu'il servait simplement pour boire? Boire? Pas idiot. Dans des objets de terre si finement ornés? Ne sois pas ridicule. Commercer. Oui, oui, faisons vite, j'ai beaucoup de travail. Alors, boîte de récompense de Palace 1, Palace 2, Palace 3. C'est quoi qu'ils font là? Ah d'accord, ouais, ok. Adieu mon ami. Je te laisse reprendre la chasse. N'oublie pas de fouiller dans les ruines. Robuste. Bon allez. Oui. Je souhaiterais te parler un peu. Ah bah attends, je suis pas du bon côté. Voilà Méridien, sous le soleil. Il est arrivé à Ersa et des Irend, puis après nous reprendrons le stream, la quête principale, et nous irons retrouver Olin. Juste une petite seconde, je vais sauvegarder quand même, ça évitera de me retaper tous les dialogues. Voilà. Allez, c'est parti. Maintenant, on s'arrête. Retrouver Irend au col de la crête rouge.
Encore un marchand. Déjà vu 4 fois. Je vais regarder un truc, inventaire. Ah non, c'est pas ça. Arc de précision. Les flèches de feu peuvent enflammer les bonbons des flambées et les sacs à dos. Modification possible. Ah mais là il n'y a qu'une modification. Bon, je vais essayer comme ça. Anti-électricité, anti-attaque à distance, anti-corruption, anti-attaque de mêlée. Ouais, souvent c'est à distance, mais des fois la mêlée c'est bien d'avoir un peu de. Je mettrais bien celui-là. Là. Si vous équipez une modification dans un ensemble complet, l'ancienne modification sera perdue. Ok. Il faut bien que je réfléchisse quand même. Anti-électricité. Oh. Je sais pas. Alors voilà. Voilà. Par contre, j'ai pas de. Ils vendent pas les tenues dans les. Chez les marchands. Je sais pas. Falaises escarpées. C'est eux qui l'ont tué, c'est moi qui récupère le butin. Normalement, il y a un peu des ressources, non? Ah, bah, Doda, c'est plein. Bon, allez. On y va. 700 pas. Ah, ça, une jolie robe. Ah normalement il y a des veilleurs je crois. Carapateur, faiblesse, le feu, résistance, la glace. Mais je vais pas trop m'y frotter parce que je sais pas si j'ai le niveau suffisant pour. Ok, côté discrétion, on repassera. J'ai pas encore acquis la capacité de faire tomber les. Les ennemis avec la
tout galéré, mais ça va. Ils étaient relativement accessibles. Super. C'est pas les mêmes là. En même temps, c'est bien de temps en temps d'en tuer un, parce que ça permet de. Un peu d'expérience. Je peux pas encore la pirater, je dois en apprendre plus. Marchand de l'heure, mais je sais pas. Je sais pas si on peut l'acheter. Si. Ah si, les tenues, ouais, je. C'est moi qui dis n'importe quoi. Attends. Nora. Contre les éléments accrus, cette tenue est testée dans des conditions extrêmes des terres sacrées. Là, c'est la discrétion. La mise de cuir renforcée de fumée métallique de cette tenue protège l'électricité d'un danger omniprésent dans l'atelier. Je sais pas. Dodo.
Les voilà. Oui, il y a son pote qui arrive. Encore surpris. Retrouvez-les. Allez. Je les vois. Alors en fait la quête principale c'est là qu'il fallait venir en fait. C'est dans le même coin finalement. Petite tempête de sable. Que ce soit réglé. Merci pour ton aide. Parlez à Eren. Viens discuter un peu avec moi. J'arrive. T'as pas d'amis ou quoi? Allez, qu'est-ce que t'attends? Et où? Quoi? Tu veux pas me parler? Mais qu'est-ce que si, tu si. Fais ici, tout seul? Ouais. Où sont tes hommes? Je refuse de les mettre en danger. Je n'hésite pas à risquer ma misérable peau, mais pas la leur. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans. Oh, ne t'en fais pas. C'est une journée normale pour moi. Tu sais, éliminer des machines, traquer des tueurs. Ouais, ton emploi du temps m'effraie. T'es prête à commencer? Dis-moi exactement ce qui est arrivé à Ersa, depuis le début. On ne sait pas vraiment. Elle est partie au beau milieu de la nuit avec quelques soldats d'élite. Des soldats d'élite? Mais elle ne t'a pas emmené? Non, je bois beaucoup trop. Elle a dû croire... Bon sang, je sais pas, que je m'en sortirai pas. Les équipes de recherche ont trouvé leur corps au matin près des cadavres d'une poignée de... sont des brutes. Elle est si défigurée qu'on ne peut même pas montrer son visage avant l'enterrement. Je suis navrée, Eren. Ouais, bon. Quand je trouverai ceux qui ont fait ça, ils seront navrés aussi. Et tu n'as aucune idée de ce qui a pu la pousser à sortir en pleine nuit? Non. Mais ça devait être urgent. Un message, un rapport signalant une attaque des Karjas de l'Ombre, je sais pas moi. Pourquoi les Karjas de l'Ombre feraient ça? Parce qu'ils nous détestent. En particulier Ersa. Parce qu'elle s'est alliée à Avad pour les expulser de Méridian. Ça fait 2 ans qu'ils pansaient leurs blessures. Mais ils ont fini par lui faire payer le prix. Tu es sûr que ça va aller? Eh bien, je suis sobre, donc... non. Au moins, maintenant, tu as les idées claires. Ne t'habitue pas.
Bon. Montre-moi où Ersa est tombée. Je ferai mon possible pour t'aider. Allez, suis-moi. Suivez le champ des victimes. Et si on lui explose la tronche. Qu'est-ce qui a poussé Ersa à venir jusqu'ici? Je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est le territoire des Karja de l'ombre? Non, ils ont enfreint le cessez-le-feu à la seconde où ils sont entrés dans la fissure. On y est presque. Il court vite. Elle est bien fraîche. C'est là. C'est ici qu'a eu lieu l'embuscade. Nos soldats ont fouillé la zone, mais ton petit appareil magique pourra peut-être trouver quelque chose. S'il te plaît, je dois trouver les ordures qui ont fait ça. Une lance des Karja de l'ombre. Sûrement une armure des Karja de l'ombre. Des flèches éparpillées. Oui. Elle est parfaitement aiguisée. Jamais utilisée. Bizarre. Pas une seule rayure. Elles sont comme neuves. Elles n'ont pas servi. Des armes qui se prennent là et qui n'ont pas servi. Ces taches de sang ne ressemblent pas à ce qui s'écoulerait d'un cadavre. On dirait que le sang a été étalé. Pour brouiller des pistes. Que quelque chose a été traîné. Quelqu'un aurait déplacé un corps ici. Qu'est-ce que tu vois? Cette tache forme une ligne. Comme si le sang avait coulé du rebord de quelque chose. Comme un chariot. Tu vois? Des traces de chariot. Je pense que quelqu'un a amené les corps ici, puis les a éparpillés dans la zone. Attends. T'es en train de me dire que les morts auraient été tués ailleurs? Pourquoi les Karja de l'ombre feraient ça? Très franchement, je suis pas convaincue que les Karja de l'ombre soient responsables. Mais bien sûr que si! Bon, suivons ces traces et on verra bien. Mais où ça va nous mener? Suivre les traces de chariot. C'est qui chariot? Mais pourquoi simuler une embuscade? On ne sait pas tout. Il faut qu'on trouve ce qui s'est passé. On aurait une antenne relais, une genre de parabole.
pas les Karja de l'ombre, mais ceux de ma tribu, les Oseram. Alors c'est comme ça qu'on se salue dans ton peuple ? De signal à fréquence unique non identifiée. Bon, c'est où là? J'entends taper et tout, mais je vois pas de... Je crois que ça appelle les machines. Prépare-toi. Continue à frapper! Des Oseram, pas des Karja de l'ombre. Je me suis trompé sur toute la ligne, une fois de plus. S'il te plaît, utilise ta deuxième vision. Je dois savoir ce qui s'est vraiment passé. J'y travaille. Ces rochers... ils sont brisés. C'est quoi ces lanières en cuir? Il y a tellement de sang. On dirait des armes de l'avant-garde. Beaucoup de gens sont morts ici. Un vrai carnage. Des sangles d'armure, coupées avec un couteau, et une pierre tachée de sang. Quelque chose a frappé ces rochers. Quelque chose que je n'ai jamais vu. Il n'y a pas de sang dessus. Les hommes d'Ersa n'ont pas riposté. On dirait qu'on peut adapter un accessoire sur ce truc. Pour une là, à côté du trépied. Une batterie utilisée. Parlez à Eren. Salut, photo. C'est le casque de Persa. Je croyais qu'elle était morte en bas, mais... ça devait être là. Toutes ces ruses. Pourquoi? C'est rien de plus que de la torture. J'ai une théorie. Mais il faut un peu d'imagination. Jusqu'à présent, tes théories tiennent mieux la route que les faits. Écoute.
Je crois que Léos et Ram ont tendu un piège à Ersa avec une nouvelle arme. Ils l'ont fixée sur ce trépied qui est là-bas. Elle tire des ondes de force ou de son. On dirait que ça a brisé ce rocher. Je crois qu'elle paralyse les gens au lieu de les tuer. Elle a figé l'avant-garde ici. Pas de sang sur leurs armes. Pas de combat. Mais pourquoi les paralyser s'ils voulaient juste les abattre plus loin? Ils essayaient de cacher quelque chose. Regarde, une pierre ensanglantée. Utilisée pour écraser le visage d'Ersa. Ou de quelqu'un d'autre. Visiblement, ses sangles ont été coupés. Comme s'ils avaient pris l'armure de quelqu'un. Non, c'est impossible. Son corps est exposé publiquement à Méridian, et je l'ai vu. Tu as dit qu'elle était méconnaissable. Ils ont peut-être mis un autre corps dans son armure, quelqu'un de la même corpulence. Et ils l'ont défiguré pour qu'on puisse le prendre pour celui d'Ersa. Retourne. Je me serais trompée. Mais si j'ai raison... Alors ça veut dire que ma sœur sera en vie? Bon, j'y vais. Rejoins-moi dès que possible. Elle est forte quand même. Elle est intelligente, elle est enquêtrice. Allez, pose ton pied, doucement. Trop forte. Ouvrez la moniquette aux frontières. Il semble qu'Ersa, la sœur des reines, ait été enlevée et non tuée, mais de nombreuses questions subsistent. Où est-elle? Qui a organisé ça? Et pourquoi? Bon, Palais du Soleil. Ah non, faut revenir à Méridian. Non. Ça fait tout chemin du retour, là. Il y a une cité, là. C'est pas Méridian, ça, c'est... Bon, c'est plus loin que ça, hein. On passe par là. Ah oui, comme ça. Allez. Donc voilà, nouvelle révélation. Ersa n'est peut-être pas morte. Juste captive. Deuxième révélation, c'est pas les cargades de l'ombre qui ont fait le coup, c'est les océans. Garde ça pour la route. T'as bien fait. Elle court sur les murs et tout, hein. C'est pendu quand même. Moi, si je cours là-dessus, ça pouvait être l'irrette que je me serais tapé une jolie. Je dérape un peu. Oh non, pas du tout. Le soleil se couche. Il va faire nuit. Ce jeu est très rouge quand même. Dès qu'il fait jour, il fait rouge. Je sais pas pourquoi. C'est une teinte qu'ils ont choisie. Oh. Mais bon, c'est bien aussi des fois de ça peut grandir niveau plus rapidement. On passe dans la brèche. Charognarde.
que j'ai bien vu passer par là. Salut les gars. On va tous y passer si on se défend pas mieux que ça. Ça débouche quelque part, hein, parce que sinon j'aurais fait tout ça pour rien. Oh, ça s'est assombri d'un coup là. Oh là là, il va pleurer. On n'y voit plus que dalle. Ça va pas trop là de se occuper par la machine. Le trajet se fait sans encombre. Ah, on est déjà à Méridien ? Non. Sérieux ? Ah, donc c'était bien Méridien à mon avis que j'ai vu. Il me semblait qu'on était plus loin que ça quand même. Excusez-moi juste une seconde, je vais juste regarder. Puisqu'on y est, autant y aller. Voilà. Oh, il y a de la foule là. Personne n'entre dans le palais sans invitation. Si. Bonjour, Aloy. On m'appelle Marad l'Irréprochable. Viens avec moi. Ton expertise est requise de toute urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Où est Eren? À l'intérieur, avec le Roi Soleil. Là où nous devons nous rendre sans plus tarder. Suis-moi, si tu veux bien. Tous ces gens sont ici pour voir le Roi Soleil? Oui, et tous sont venus lui demander un service. C'est ennuyeux, mais c'est la politique. Le Roi Soleil a hâte de te rencontrer. Toi, la dresseuse de machines, au regard acéré. Tout cela est intriguant. Je ne suis pas là pour vous intriguer. Trop tard. Les Océrames avaient déjà un traitement en faveur, et maintenant les étrangers et la fille d'un vache. Je me fais dépasser par une échange à l'aide. Et cette flora passe devant tout le monde. Il va monter là, non ? Ignore-les. Les nobles sont comme des enfants qui pleurnichent quand ils n'ont pas une deuxième part de gâteau. You Avad. Allez, petit. À quoi ressemble-t-il ? Le plus important, c'est à qui il ne ressemble pas. Son père. Je pense que tu le verras comme un homme raisonnable. Ah, il y avait un document là, mais je peux pas. Aloy Denora. Celle qui peut voir l'invisible. Bienvenue. Il semblerait que tu m'aies rendu un grand service. Erend, dis-lui ce que tu sais.
J'ai vu la tombe d'Ersa. Tu avais raison. Le corps n'a pas sa cicatrice sous le genou. Je l'avais blessé quand on était petit. Une vague histoire d'épée. Si le corps n'est pas celui d'Ersa, nous devons supposer qu'elle est en vie. Et en aucun cas, je ne l'abandonnerai. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été emmenée. On ignore par qui. Je peux vous aiguiller. Ersa a un ennemi parmi les Oseram. Un guerrier nommé Derpal. Impossible. Tous les clans de la Roquette sont à ses trousses depuis la Libération. Il est forcément mort. Aucun autre Oseram n'est assez rusé pour attirer Ersa dans un piège. J'ai des raisons de croire qu'il rôde aux alentours de la frontière. J'ai déjà envoyé un agent fouiller la zone. Il attendra nos ordres sur la place du marché du Belvédère. Les Oseram considéreraient comme un affront l'envoi de troupes vers la frontière. Mais je peux envoyer des hommes de l'avant-garde. Et peut-être une aura particulièrement douée aussi. Erend, Marad, laissez-moi parler avec elle en privé. J'ai honte de te solliciter après tout ce que tu as fait, mais ceci a une importance capitale pour moi. J'ai l'impression que vous tenez beaucoup à Ersa. Sans l'aide de l'avant-garde au Céram, je n'aurais jamais pu libérer Méridian et mettre fin au règne sanglant de mon père. Depuis, il s'est avéré difficile de maintenir la paix entre nos tribus. Mais Ersa a le don de faire entendre raison à son peuple. Tu comprends, j'ai besoin d'elle à mes côtés. Et vite. Qui est Derval, au juste ? Pour comprendre Derval, tu dois d'abord comprendre mon père. Il était persuadé d'être un dieu soleil. Son esprit était brisé. Il pensait que les sacrifices humains résoudraient tout, en fait. Alors il faisait enlever ses victimes dans d'autres tribus, en particulier les Oseram. Derval a riposté. Il a fabriqué des armes puissantes et a rallié son peuple. Mon père a réagi avec une cruauté inimaginable. Il a enlevé la femme de Derval et sa fille et les a sacrifiées dans la fosse. Mais pourquoi Derval se donnerait autant de mal pour enlever Ersa ? Il pense qu'elle l'a trahi. Elle a combattu à ses côtés jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il comptait raser Méridian et massacrer ses habitants. Elle est alors venue me voir. Ensemble, nous l'avons arrêtée. Et nous avons repris la ville de mon père. Derval a passé toute sa vie à tenter de se venger depuis. Ciblant notamment les Oseram qui nous ont aidés. Il s'est fait tant d'ennemis puissants. Je ne pensais pas le revoir. J'avais tort. J'aimerais vous poser une question sur l'Hélium et sa politique. Je t'en prie. On dit que vous êtes un dieu soleil qui a tué son propre père pour rétablir l'harmonie entre les tribus. C'est la vérité ? On dit que tu peux voir l'invisible, fendre une flèche à 50 pas et apprivoiser les machines d'un regard. Où est la vérité dans tout cela ? On n'en est pas si loin que ça. Eh bien, j'aimerais rétablir l'harmonie entre les tribus. Mais tu as vu de combien de courtisans je dois m'occuper avant ? Un jour, peut-être. C'est une belle demeure que vous avez. Vous pouvez presque apercevoir le peuple sous la Mesa. Tu n'approuves pas ? Eh bien, je vais te dire un secret. Moi non plus. Mais il faut être patient. Le changement ne se fera pas en un lever de soleil. Mais arrivera-t-il un jour, si les hommes vivent dans des palais ? Peut-être. Un jour. Si des gens comme toi m'aident à le mettre en place. Votre polytomie met aussi des ennemis ? Je n'aurais jamais pu libérer Méridian sans l'aide précieuse d'Ersa et de ses corsaires Oseram. Nombreux sont restés ici. Mais les clans Oseram de la Roquette se sont montrés extrêmement jaloux de leur réussite. Tout comme certains nobles Karja. C'est une situation instable. Notamment en raison des enlèvements qu'organisait mon père chez les Oseram. Ersa maintient la paix. Elle promet un avenir avantageux pour tous. Mais certains, comme Derval, n'abandonneront jamais leur rancœur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Karja de l'Ombre ?
Quel est leur lien avec Ersa? Les Karja de l'ombre sont des fidèles du régime de mon père. Ils détiennent la forteresse de Brunant à l'ouest. Comme lui, ils ne cherchent que la domination. Et veulent obtenir la puissance du soleil en versant le sang en son nom. Depuis qu'Ersa m'a aidé à leur reprendre cette cité, ils font de parfaits boucs émissaires. Derval le savait, bien sûr. Il a tout planifié. Je dois continuer. Je sais. Bon. On dit qu'un roi ne supplie jamais. Mais je t'en prie. Aide-moi à retrouver Ersa. Qui dit ça? Marad, au moins. N'hésite pas à lui poser des questions, à lui ou à Erend. Très bien. Bon, allez. Rejoindre le Belvédère. La flemme, rien que de l'avoir trouvé, ça me fatigue. Je passe, se mettre en position. Ils redressent leurs armes. La vandaliser ne suffit pas, il faut carrément. Bon, on va essayer de retrouver Derval. Essayer de remettre la main sur ça si elle est encore en vie. C'est pas ce que j'ai. Allez, on y va. On va traverser les vastes plaines du monde hostile. Je fais des réserves. T'as raison. Bientôt augmenter de niveau. Plus que 700 points d'expérience. Il suffit de tuer un ou deux rôdeurs ou quelques machines, ça sera bon. On y est presque, 1570 points.
Salut. Je vous verrai. Mais non, t'as pas repéré. Il n'y a personne. Salut. Ouais, de toute façon, pour tous les apprendre. Pas de gel. 1300 pas. Oh, mais il y a une forteresse là-haut. C'est beau ça. Apparemment c'est un campement de rôdeurs ou de cargeurs. Je sais pas. En dessous des 1000 pas. Tu pourrais t'échapper ou quoi là? C'est une sombre nuit mystérieuse. C'est des piétineurs. Ah oh, non, piétineurs, je crois que c'est des gros là. Déjà rien qu'à entendre le râle, à mon avis c'est pas des petits. Plus de place. Mais bon, il y a beaucoup de... Ça fait partie des jeux où il n'y a pas trop... Alors on peut se téléporter. Mais bon... Moi je trace en courant, mais c'est vrai que quand tu le fais en courant... Ça rentre en ligne de compte dans la durée de vie, mais bon... C'est des moments où tu n'avances pas dans la voiture. C'est quoi qui reflète comme ça? C'est bizarre, je m'en souviens pas de ça. Allez, monte. S'en aller. Je sais pas si c'est un mec du jour, alors il fait jour. Mais je le saurai jamais, c'est pas grave. Ça fait rien. Bah ben ouais, c'est, je sais que quand même. J'aurais bien aimé voir de vous abonner. Tu vas être un papa. Donc
pirater ces machines, je dois savoir d'où elles viennent. C'est le beat généraux. Voilà. Je vais pas trop me... Pas trop m'approcher. Je vais me tenir un peu éloigné. Je vais faire confinement. C'est bien ça. Regardez ici. Voilà. Et on est reparti pour aller sauver Ersa. C'est sûrement Belvedere. L'agent de Marat doit déjà être sur la place du marché. Aucun signe du gars de Marad. Il a eu largement le temps d'enquêter. On ferait mieux de le chercher. T'as raison. Bon. Trouver l'agent de Marad. Encore des traces. Je crois que quelqu'un a suivi la personne qu'on suit. C'est inquiétant. Ah. Il a été terminé. C'est sûrement l'agent de Marad. Les hommes de Derval ont dû la voir. Il avait peut-être trouvé quelque chose. Regarde ça. Je crois qu'il a dessiné une carte avec son sang. Ouais. Ce genre de carte, il vaut mieux les suivre. Ça pourrait être Belvedere. Il a marqué un point au nord. L'emplacement de Derval ? Mes hommes attendent à l'extérieur. Je les récupère et je te rejoins. Bon. Nous allons tout de suite revenir sur nos pas. Et on va pouvoir aller défier. J'espère que tout va bien. Évidemment, ça va bon. Ça va exploser. Ersa a été accompagné de ses meilleurs soldats. Voilà, mais on voit qu'ils coupent du bois ici, hein. ils ont décimé toute la forêt. Oh, c'est quoi ça? C'est pas que, mais voilà.
Bon, allez, on va au camp d'Herval. On va sauvegarder avant d'y aller. Comme ça, on est tranquille. Bon allez, là je pense que quand je vais arriver, je vais m'occuper. Enchaîné. Derval est bricoleur. Il fait sûrement des expériences sur elles, ou bien il les démonte. Je peux peut-être m'en servir pour semer la panique. Je passe devant. Attends ici que la bagarre commence. Très bien. On va te couvrir. Ouais. C'est bien qu'il fasse jour comme ça, moi je vais bien. Bon, c'est vrai que quand il fait nuit, on est beaucoup d'arrêt. Thank you.
plus les machines d'avant. Tous les putains. Voilà. Je dois poser quelque chose. Ouais, parce que des planétas, c'est ce qui nous sert après à acheter les équipements et tout. Il vaut mieux en avoir un peu de... Un peu d'avance. De lui. Wow. On va leur montrer. Je m'occupe de cette vermine. Doit être à l'intérieur. Il faut qu'on entre. Ouais. On va récupérer son brouilleur. Ils doivent utiliser ça pour se protéger de cet horrible bruit. Erend. Derval a tenté de me briser. Il m'a montré ce qu'il savait. J'aurais dû être avec toi. Pourquoi tu m'as pas emmené? Je sais très bien que je suis qu'un pauvre ivrogne, mais... Non, idiot. J'ai reçu un message de Derval. Il demandait des pourparlers. Je t'ai pas prévenu parce que je savais que c'était un piège. Je voulais te protéger. Je pensais pas que ce piège serait si efficace. Je croyais pouvoir l'éliminer.
Écoute-moi. Derval prévoit de frapper fort sur Méridian. Il a dit qu'il forcerait Avad à regarder la fumée obscurcir leur précieux soleil. Ton roi a besoin de toi. Finis de jouer maintenant. Tu dois prendre tes responsabilités. Très bien. Compte sur moi. Ne me déçois pas, petit frère. Merci. Voilà, regarde ça. Non, merci non, de l'autre côté. Pitié. Je serai à la hauteur. Je te le jure. Erend. Je suis désolée. Il faut qu'on trouve Derval. Mais Méridian est immense. Je vais fouiller ses affaires. On trouvera peut-être des indices. Bon. On va passer la pièce au focus. Cette machine a été démontée avec précision. Appareil Sonic. Allez. Oh. Les archives de Derval. C'est un dispositif étrange. Très bien conçu. Qu'est-ce qui se passe si je l'allume ? Vas-y. Je crois que ça fonctionne. Voilà. Allez. Allez, mes chéris, dites-moi quelque chose. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Et tu dis ce que tu veux. Je veux juste entendre votre voix et la garder plus tard. Papa, je chante. La 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 la. Voilà. Une chanson et un rire. C'est encore mieux que des mots. Et je pourrai les écouter à tout moment. C'est terminé ? Alors au lit, petite puce. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, papa. Elle est partie. Qu'est-ce qu'on va faire ? Les raids se rapprochent de Prime Source. Combien de temps est-ce qu'on pourra encore se cacher ? Un souvenir de sa famille. Derval n'a plus rien à perdre. Qu'a bien pu apprendre Derval en trafiquant ses machines ? Est-ce que je veux le savoir ? Des notes de fabrication. Et une lettre glissée entre les pages. De la flambée, en direction de Méridian. Si on la trouve, on trouvera sans doute Derval. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Retournons au palais. Vas-y. Je te suivrai, mais je dois m'occuper de ma sœur. Bon, Erend a décédé. Derval est introuvable pour le moment, mais le Perrier pourra attendre. Le soleil tombera. Derval, seigneur de guerre Osram, a enlevé et torturé Ersa, qui a tué combien ses blessures. Il est désormais en route vers Méridian pour se venger des Karja. Il faut à tout prix l'arrêter, rejoindre le palais du soleil à Méridian. Attends, parce que là... Ah, allez. Déjà 19 ? Ah, salut. Voilà. Donc maintenant, programme à suivre. Retour sur Méridian. On va parler au Roi Soleil. Et essayer d'avoir des infos sur Derval. Normalement, Erend est censé prendre ses responsabilités. Pendant qu'Ersa était là, il se
reposait un peu trop sur elle, et maintenant que malheureusement elle est décédée, il va falloir que je prenne les choses en main et protéger Méridien des attaques des machines et de Derval. Mais de toute façon, Derval, dans pas longtemps, on y mettra la main dessus. Mais là, pour l'heure, combien ? 2500 pas ? Ouais. On n'est pas au bout. Bon. Allez, on va faire Zanta. Et moi je pense que c'est plus rapide de passer en les tuant que de contourner. C'est déjà plein. Ah oui, depuis le temps qu'on ramasse des ressources, là je pense qu'on doit avoir l'inventaire qui est suffisamment. Salut. Allez. Attention, 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 attention. 1, 2. Finalement, j'avais pas fait attention parce qu'en fait, je tue pas trop les machines. Mais les niveaux montent vachement vite quand même. J'ai quasiment fait un quart du niveau 19 alors que je viens juste de le dépasser. Attends, c'est pas en bas. En fait, faudrait que je me gendarme un peu et que dès qu'il y a une machine, je la tue. Je monterai plus vite de niveau. Bon là je pense qu'on va faire l'impasse. Voilà. On se dirige vers le soleil tombant et brûlant. Rapateur. Si j'en savais plus sur ces machines, je pourrais les pirater. Oh, j'ai du bol. Dans un 2, ça arrive jamais, ça.
Plus au moment où je dois attaquer, il y a une... Il y a une garnison de rôdeurs qui arrive. Oh. Ah ouais, ça je pense que... Reste tranquille. Je vais sauver la vie. Ah non, mais là, pour le coup, ils vont un peu sauver la, ben, sauver la vie. Oh, je me serais enfui, hein. Mais... Allez. Font mal, hein. Moi j'ai essayé d'en tuer un. Ouais, c'est pas évident. 1600 pas, ça diminue pas vite quand même. Allez, bouge-toi. J'en profite et je prends. J'espère que le bouton va se déplacer, que, enfin, que la cible va aller dans mon sens, sinon on va être obligé de dévier. Regarde. Un petit coup d'eau et c'est reparti. Garde ça pour plus tard. C'est dans ça. Voilà, ces allers-retours là, c'est pénible. Je pourrais utiliser les kits de déplacement rapide, mais bon. Bon, maintenant je suis à la moitié, je vais pas l'utiliser. Mais après, j'essaierai quoi. Le problème, c'est que les kits de déplacement rapide, je sais pas combien il y en a. Je sais pas à terme si on en a beaucoup ou pas beaucoup, je voudrais pas trop les utiliser. Quoi. Bon là, à ton avis, il va aller par où là? Donc, il faut traverser? C'est pas là-bas qu'il faut aller? Je pense que je vais pas dans la bonne direction, mais c'est pas là. Si? Ah si. Bon. Allez, on approche de la barre fatidique des 1000 pas. Combien j'en ai des kits de déplacement rapide, je sais plus. Où c'est? C'est pas là, c'est pas là non plus. C'est pas là. C'est bizarre, vous savez, j'en avais. Bon, c'est pas grave. Ouais. Voilà, on perd vachement de temps, quoi. Là, depuis le temps que je cours, quand même.
Et elle nous revient. Bon, je passe au milieu et je trace. Les trois quarts du niveau 19 déjà. Je peux m'en sortir. Ça va bien. You're still alive. Vous savez, j'arrive à Méridien. Falaises escarpées. Retour à Méridien. Parler à Avad. Pas d'ombre sous le soleil de midi. Les paroles à
méfier des marchands, Sérame. J'ai envoyé quelqu'un à la requête pour prévenir tout le monde. Si jamais ton clan ou toi avait besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. On verra tout ça plus tard. Aloy, heureux de te voir. C'est bien triste pour Irsa. Apprendre qu'elle est en vie, puis la perdre, que c'est cruel. Elle voudrait pas qu'on perde de temps. Elle voudrait qu'on retrouve Derval. Elle disait qu'il parlait d'une fumée occultant le soleil. Dis-lui ce que t'as vu dans ses papiers. Une lettre. Une histoire de flambée, envoyée dans un entrepôt du coin. Sauf qu'elle n'était pas pour Derval. Mais pour Elund, le forgeron. Vous avez déjà entendu ce nom ? Ça me dit quelque chose. Oui, un propriétaire. Plusieurs Océram ont acheté des immeubles en ville. Je crois que c'est l'un d'entre eux. Attends, c'est à côté de la Messa, près du temple. C'était une boutique, mais ça peut faire office d'entrepôt. Si Derval a acheté l'endroit sous un nom d'emprunt, il y est peut-être en ce moment. Je rassemble mes hommes. Je vous rejoins. Erend, attends. Rappelle-toi que Derval est haï par ta tribu. Les clans paieraient très cher pour sa capture. Le prendre vivant, pour que tu puisses leur vendre, c'est hors de question! Notre sécurité dépend du maintien de la paix. Si l'occasion se présente, capture le vivant. Ceci est un ordre. Aloy, un instant, s'il te plaît. Quand nous avons parlé, Erend n'a pas voulu s'étendre sur les détails de la mort d'Irsa. C'est passé. Cette question m'obsède en permanence. Tu étais là. A-t-elle souffert ? Elle n'avait que faire de la douleur. Elle pensait à son frère. Et elle pensait à vous. Merci, Aloy. J'avais besoin d'entendre que j'occupais ses pensées comme elles les miennes. Trouve Derval et apporte-le-moi. Il répondra de ses crimes. Je ne veux pas te faire perdre plus de temps. Eren t'attend à l'entrepôt. Voilà. On passe plus de temps à marcher et à courir que faire avancer le scénario. Mais ça ne fait rien. Bien grosse. Assez pour nous tuer. Ok. C'est une bombe. Je me tais. Et bien conçue. Si j'essaie de la démonter, le mécanisme va l'amorcer. Ça fait beaucoup de flambées. Si jamais la bombe en bas explose, l'annonce de Derval se réalisera. La fumée cachera le soleil. Et la ville sera la proie des flammes. On doit absolument empêcher ça. De la flambée. Il doit y avoir un réservoir qui fuit à l'étage. Oui. Si on peut se débarrasser de cette flambée, l'explosion sera contenue. Ces attaches sont en bois, pas très résistants. Oh, t'as déjà réussi avec des lingots d'or. Aide-moi à la sortir.
Ok. Tout en force, je sais faire. Ça fera quoi? Ça sauvera la ville, j'espère. Mais quand la flambée tombera, prends la fuite. Parce qu'à cause du piège, la bombe au rez-de-chaussée va être amorcée. Et, on va survivre? Je pense pas. On pousse. Cours! On l'a fait. Le plan de Derval est déjoué. Et Méridian sauvé. C'est pas terminé. Derval voulait absolument qu'Avad y assiste. Impossible. Il faudrait qu'il entre dans le palais. Il est trop bien gardé. Retourne-y, on sait jamais. Je vais fouiller les lieux. Les hommes de Derval ont peut-être laissé des traces en posant la bombe. Ouais. Ça marche. T'inquiète pas. S'il tente d'entrer dans le palais... On va afficher les déplacements. Les déplacements des hommes de Derval. Des empreintes de pas, avec de la flambée. Si je lui propose une part raisonnable, rejoignez l'incendie et faites passer les sauts. Je perds des traîtres. Qu'est-ce qui est arrivé? Je n'avais pas entendu une telle explosion depuis la libération. Tout le monde a besoin de couleurs. De la fumée s'échappe du bord de la Messa. Est-ce qu'on nous attaque? Les traces mènent à l'intérieur. Une autre cachette de Derval? Oui. C'est sûrement là que Derval a fabriqué le détonateur. Oh non! Il a détruit le mur! Derval a bien trouvé un moyen de pénétrer dans le palais. Non, mais je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sushi. Quelle dextérité, quelle agilité. Impressionnant. On sait jamais, ça peut servir. Voilà. Ah, mon cher Avad. Le petit avorton frétillant d'un roi dément. Tu m'as volé le droit d'abattre ton père. Alors je me contenterai de toi. Je vais me délecter de voir brûler les Karja, mais le mieux, c'est que tu regarderas le spectacle avec moi. Fais tes adieux à Méridian, Avad. Respire la fumée. Et étouffe.
Ça ne marche pas. Je n'ai rien entendu. Il y a un peu de fumée vers le bord de la Mesa. Non, ça devait être un incendie, pas une flamèche de feu de cheminée. Moi qui aime voyager léger. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est toi, la Nora, qui a piégé mon camp, non? Et neutralisé ta bombe. Tiens donc. Eh bien, bon ou pas, je vais éclabousser ce trône de sang. Le tien, d'abord, puis celui d'Avad. Dirigé à des buzards et des ravageurs, alors une. Pourquoi Avad envoie toujours des dames vers le sale boulot? On peut se dépêcher, j'ai un dieu soleil à tuer. C'est pas encore fini, sorcière. Nora. Tout bon artisan au Séram te le dira. Il faut toujours avoir trois plans. Ah. Des étincelles. On appelle ça le feu. S'embêter quand une machine peut faire les choses à votre place. J'espère que t'aimes te battre contre les machines. Parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ah, les majestueuses, les redoutables étincelles. J'ai plus de place. Bon. Ben voilà. On va parler à Avad. J'aurais tellement préféré qu'Ersla soit là pour t'abattre. Mais je vais le faire, pour elle. Vas-y. J'ai pas peur. Te connaissant, Eren, tu vas échouer. Je sais de quoi tu as peur. Rentrer captif à Prime Source. Tous les clans de la Requête veulent ta peau.
Ils sauront faire durer le plaisir. Et ils se battront pour t'avoir. C'est tout toi de laisser à quelqu'un d'autre le soin de tuer. Silence. C'est le roi Soleil qui décidera de ton sort. Discutons un peu. Allez, une discussion colorée. Non, je ne veux pas discuter. Je cherche des aventuriers. De préférence sans amis ni famille. Je suis où, là ? Pourquoi le roi Avad protège-t-il les gens de Kuhn ? Bon. Bon, les amis, je vais mettre fin au stream. Donc, on a pénétré à Méridien, on a fait la connaissance du roi Avad. On a aidé Rend à élucider le mystère sur la mort d'Ersa. Enfin, la soi-disant mort d'Ersa qui était en fait captive, mais qui a fini quand même par mourir. On a assassiné Derval. On a sauvé Méridien de la catastrophe. Et donc, bon, là, au prochain stream, je finis là, la quête entièrement. Et puis, on pourra repartir à la recherche d'Olin. Pour savoir comment son focus fonctionne. Savoir pourquoi les gens veulent la tuer. Et voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment sur le stream. J'espère que vous serez plus nombreux la prochaine fois. Je streamerai peut-être lundi. Parce que j'aurai peut-être un peu de temps libre. De toute façon, quoi qu'il en soit, je le fais sur Facebook, Twitter et Twitch. Donc, il n'y aura pas de problème. Et comme c'est les vacances scolaires en plus, il y aura un peu de monde connecté, donc ça devrait être pas mal. Donc, ou lundi, ou après, ben après ce sera samedi, non, parce que je travaille. Après, je streamerai sinon dimanche prochain, quoi qu'il en soit. Et si je peux faire un extra lundi, ben, je le ferai. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux au prochain stream. Que... Voilà, qu'on puisse rigoler. J'espère que ça s'est bien passé. Je vous fais de gros bisous. Une odeur que je ne reconnais pas. À la semaine prochaine. Ciao, à plus. Peut-être bisous.